Bon. Enfin. C'est là que tu vois que le temps est passé. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il était jeune, c'est bon. C'est le gargouillot du 28 mai. Toulégnac, olive, une purée de poivron jaune, poivron rouge, olive noire, un gomasio de sésame, concombre, oseille, huile d'olive noire, orge. Après, il y a une feuille de céleri, rave. Là, nous avons une asperge. Ça, c'est une moelle de chou-fleur, des artichauts. Une moelle de brocoli, une amarante rouge, radis rose, des pois, un chou chinois. La première tomate de Dédé, ce matin, ça c'est des pommes de terre nouvelles, rissolées d'un côté, valériane officinale, c'est une valériane grecque, cistre, oseille sanguine, capucine, mertensia, pucedanum, un plantain, valériane fus, dents de chien, une roche, c'est un côté marin là, un souffle marin sur l'assiette. Tout se mange. Ça, c'est de la rhubarbe, de la nette, outiania, une rose blanche de notre balcon, les genêts, les derniers. Aïmoli, Tumbolgia, clin d'œil aux quelques pieds de vigne qu'on a. Elles viennent d'émerger, toutes fraîches. Pousse de pois, pensée, abutillon, on est sur des registres d'acidité. Coquelicot, une rose ancienne parfumée. C'est dans le jardin. Ça, c'est de la coriandre, du carvi, c'est de l'ail des ours, de la tanaisie. Et puis je terminerai évidemment par une chicorée. Salut Michel. Salut. Salut Chevalier. Passe, on l'ira. On l'ira. Oui. J'amène là-bas. Vas-y. Les cannelles ici. Est-ce que tu as fait le romanesco, c'est bon? Non, j'ai juste fait les vertes, les jaunes et les bicolores. Eh bien, fais les romanesco tant que tu y es là. Je te laisse faire les légumes, j'attaque les herbes. Ah, mais moi j'aime bien voir les herbes aussi parce qu'après je vois ce que je vois. Je les vois pour toi. Je comprends pourquoi c'est la merde. Le mercredi, moi je vais te dire. Ah, ça marche bien le mercredi. Parce que moi le samedi je fais tout alors. Ça c'est vu. Ça c'est fait. Non, j'y vais. Coriandre, j'en ai pas pris, si. Non, mais c'est des trucs qui sont faciles, c'est un paquet. Moi, je me trie tout, là.
là. Ils auront avancé là. Ils font en faire. Ouais, moi j'en ai pris 8. Il y en a 5. Plus 5, toi, ils font prendre un peu. Attends, mais je vais voir le couvert aussi. Okay. Attention à tes articulations. Allez. Pourquoi ne pas avoir une gelée translucide? Et avec de l'huile, comment tu fais? Ah, mais oui, oui, mais bon, oui, mais d'accord. Je veux dire clair. Et non. Mais même si tu émulsionnes de l'huile. Et de toute façon, dans l'absolu, on fait un noyau. Et puis si tu le parfumes... Je comprends pas ce que tu dis. Que tu fais une gelée au noyau. À l'huile d'amandon. L'huile d'amandon ou pas. Et l'huile, de toute façon, tu peux l'émulsionner, tu la laisses décanter, voilà, tu l'auras parfumé. Oui, mais tu l'auras pas translucide. Mais si, si tu, tu enlèveras l'huile après, tu auras parfumé le sirop. Faut essayer. Ça, je suis sûr que ça va marcher parce que c'est tellement puissant. En parlant d'amandon, il faudrait que je fasse ramasser les prunes à la maison par aux enfants. On a un arbre qui est plein, plein, plein. Ah oui, ben, ce week-end là, aujourd'hui ou demain? Ben, aujourd'hui non, moi j'ai vos mariages de. Ah, vous partez à quelle heure? T'as eu un beau lever de soleil là? Oh, pas encore. On a pour presque une heure. Comment? Le soleil, il y en a presque pour une heure. Faites attention quand vous faites l'aspirateur, c'est que l'après-midi, avec la lumière, on passe l'aspirateur, on arrive 18h30, la lumière a changé, on retrouve un amas de miettes. Vous êtes responsable de faire l'aspirateur, il faut qu'il soit nickel. D'accord. Sachez reconnaître ses clients, qu'ils soient habitués ou que ce soit la première, deuxième ou troisième. On a les photocopies. C'est toujours important. On a des photocopies. Ils vous les ont pas données? Non. Là, vous avez tous un stylo, j'espère, sur vous. Le ramasse-miettes aussi qu'on vous a remis, ou le vôtre si vous n'en avez pas pris. Un stylo très important parce que là, on va vous donner toutes les explications des plats. N'oubliez pas de sourire. Dès aujourd'hui, jusqu'au 31 octobre. Bon, tout le monde est en forme? Oui. Par rapport au menu, si toutes les questions sont les bienvenues, il n'y en a aucune qui est inutile. Vraiment, c'est maintenant parce que ça va démarrer très vite et après on n'aura plus le temps. Et faites attention, là, je suis, moi personnellement, je suis méchant. Hein. Parce que. Ils connaissent, hein, les anciens, vous avez fait suivre là. Hein. Bon, allez, avec l'endive sur le fond de l'assiette, donc il y aura un peu de purée de pois cassé avec lait de coco et un peu d'huile de yette. Je vous invite à recouter l'huile de yette pour que vous voyez à quoi ça goûte. Allez-y, allez cueillir. Donc ça a des parfums, un petit peu de parfum, grillé. Je me permets d'interpeller. J'ai pas la liste des herbes. Là. Et tout ce que vous explique Seba, c'est pour votre information, que vous ne soyez pas pris de court quand un client vous demande une réponse. Mais allez pas lui dire la pomme de terre est faite avec la Beauvais, le machin et le truc. Hein. Sinon, quand vous aurez fini votre explication, le plat sera froid. Et ensuite, alors, j'ai entendu Max. Non, deux choses après. Les annonces. Alors, la petite suivie du petit machin. Alors, ça, c'est écrit sur le menu. La poésie, c'est moi et Sébastien qu'on l'écrit. Vous cantonnez aux deux premières lignes. En règle générale, ça résume tout. Et n'en rajoutez pas. Accompagné de la petite, du coulis, du machin. Alors après, plus personne ne vous écoute, c'est galère. Gracias.
Restez là, les gros. Les lumières, restez là. Laissez les gardes manger là-bas, qu'on ne se mélange pas tout. Donc, tu vois, c'est bien, tu as pensé. Derrière, c'est quoi qui marche? Les gargouillous. Les gargouillous, ça chauffe au dernier moment. Donc, ça, c'est pas la peine d'annoncer. Voilà. Mais il vous faut, dès le départ, prendre le pli de cette organisation, de gérer ce tableau. Au début, vous aurez un petit peu de mal, mais après, au fur et à mesure, vous nous verrez presser les assiettes, ça rentrera et vous comprendrez de mieux en mieux. Voilà. Bonsoir. Après, pareil, ça, on en parlera demain matin, mais sur le dressage d'assiettes, si vous ne savez pas, si vous avez une hésitation, on est là, n'hésitez pas à communiquer. On est une équipe, on travaille ensemble, il n'y a pas de mur là au milieu, ni là au milieu. Ça a toujours été le système dans cette cuisine. On a toujours travaillé comme ça, en équipe, en cohésion, et pensez à communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne mettez pas dans votre bulle, dans votre assiette, pensez à communiquer aux autres. Ok ? Voilà. Vous avez les herbes, les gars, pour l'émulsion oseille, là ? Tu me donnes ? Ouais, on y va. L'émulsion oseille, les gars, s'il vous plaît. Oui. C'est goûtant. C'est bon, ça ? On met dessus comme ça ? Dans l'eau, ils vont bouger, tu crois ? Je pense. Non ? Moi, je mettrais ça, un petit peu de poudre. Il le met quand il le mange, là, c'est très bien, moi, je trouve. Je sais pas pourquoi tu veux te compliquer, là. Je sais pas, il me semble qu'il manque quelque chose, moi. T'as de l'amertume, t'as le sucre, enfin, je sais pas. Après, t'as le gingembre qui amène la puissance, là. Moi, je trouve que c'est équilibré, hein. Je sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter, moi, là. Un autre légume? Non, un support dessous, je sais pas. Voilà. Mais je sais pas pourquoi tu vas mettre un support dans ces assiettes, c'est pas. Mais ça va très bien, c'est pas. Ok. Bon, ça c'est bon. Là c'est bon, mais on finit de régler ce soir au dressage. Vous le finissez là? Bon, non, mais là on a pigé là. Ouais, elles sont lavées. Herbe de la Thank you.
Rappela, Véro. Montre que tu n'es plus parisienne. Mais tiens-la bien, par l'abdomen. Ouais, oh là là, oh, oh les joies. Oui. T'as vu maman qui tient les chroniques? Oui, aidez-moi. Il ne faut pas jeter les pépins. Hein. Chaque jour, je leur apprends à manger. Attends, on aura mieux fait passer là-bas, c'est plus pratique. Moi, j'ai tartiné. Là, à gauche, là. Là où vous êtes, là. Par là, c'est plus facile, là. Allez, Rémi. Allez, Rémi. Allez, plus vite. J'étais l'aîné, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc je me suis rangé à faire de la cuisine derrière ma mère. Je fréquentais déjà Ginette. Et quand on s'est marié, Gilles, la première année, m'a aidé à la cuisine. Et puis après, elle est passée à la salle. Voilà. Et puis, bon, on avait les enfants jeunes. Et on n'en a pas profité comme on aurait aimé en profiter. Bon. J'ai souvenir de discussions où la question c'était qu'est-ce que tu penses faire, Sébastien? J'avais une vingtaine d'années, 19 ans, 20 ans. J'étais à l'école hôtelière, donc j'avais déjà fait un choix professionnel. Mais la question c'était est-ce que si moi j'investis pour 15, 20 ou 25 ans au Suquet-Lot sur la montagne, est-ce que tu penses suivre? Alors est-ce que ça aurait changé la décision de mes parents de venir s'installer ici au Suquet ou pas? Mais quelque part, j'étais aussi fier de ça, parce que quelque part, dans ton amour propre, tu dis « Ah, mais mince, tes parents, ils ont besoin de toi. » Quelque part, c'est une fierté aussi. Et je me souviens du jour où il m'a dit, quand on passait devant l'Oumazuc, donc l'ancienne maison, et il m'a dit, un jour, je vivrai ici avec ma femme et moi, je serai en cuisine et peut-être qu'elle m'accompagnera. C'était le 9 mai 1987. Mais moi, à cet âge-là, j'étais encore dans l'incertitude de ce que j'allais pouvoir faire plus tard, même si je me doutais que si nous devions continuer à nous fréquenter, je serais amenée à reproduire le schéma familial, à savoir comme sa mère en salle et lui en cuisine. Par contre, je pense que Sébastien, je ne sais pas si Sébastien s'est donné d'autres choix. C'est-à-dire que je crois que pour lui, c'était une évidence. Et quand je vois des photos de lui avec la tenue de cuisinier que lui avait fait Mémé, je me dis que c'était peut-être tracé pour lui. Mais en même temps, je me dis que si vraiment il n'avait pas aimé,
ce métier-là, s'il n'avait pas accroché, s'il n'avait pas eu ce désir de continuer, ça n'aurait pas pu se faire. Parce que quelque part, on a toujours le choix malgré tout. Et il ne l'aurait pas fait aussi bien. À contre-cœur, c'est pas possible. Cet été, Michel a pris mon fils, en fait, Alban, son petit-fils, au service. Il a revêtu, donc, mon fils a revêtu l'habit de cuisinier, la tenue de cuisinier de son père au même âge. Et sur sa demande, donc je suis témoin, il n'y a pas eu de conditionnement, sur sa demande, Michel a pris au service et il avait pris ma fille aux vacances de Pâques au service. Donc le grand-père était très fier et les enfants aussi. Sébastien aussi. Et moi, j'étais... Comment j'étais un peu émue, quand même. T'es le canapé rouge en sky. Oui. Il est là. Et là, c'est ton frère, là. C'est William, là, le tout petit, là. Et là aussi. Ah, non, là, c'est toi, sans doute. La communion de mon frère, devant le resto. Là-bas, sur la balançoire. C'est là, quand t'es cuisinier. Là. Attends. Là, on l'a vu, Pépé. Ah, mais devant, c'est devant la porte d'entrée, là, juste au-dessus. Te voilà, toujours là. André. Toute la famille. Toujours le canapé rouge, un sky rouge. Ouais. Allez, on y va. Où? Là? Là? Tu veux travailler? Tu te rappelles ce que c'est? Et après, je me rappelle aussi, on avait une... Je me rappelle très bien, on avait un rack à légumes, comme ça, où on mettait des demi-bacs gastro avec tous les légumes. Et à l'époque, je crois qu'il faisait déjà... Je ne me rappelle plus quelle place c'était, mais je suppose que c'était peut-être le gargouillou. Et quand je bricolais le week-end en cuisine, c'est souvent ils me demandaient « Seba, va chercher un petit peu de chaque légume. » Il fallait y aller souvent, et je me rappelle très bien, ça c'était ma mission pendant les services. Comment tu veux que je ne sois pas formaté aussi? Mais il trafiquait, là. Il mettait son tablier, il était haut comme trois pommes, il y allait, là, en pâtisserie. Mais je ne sais pas. Mais là, c'est ma vie, je l'ai passée là, toute mon enfance. Oui, oui. Quand est-ce qu'on est monté là-haut? En 92. En 92. Il aimait trop ça. Quand il arrivait, il n'allait pas jouer, il n'allait pas faire de vélo. Il venait en cuisine. Il aimait trafiquer en cuisine. Oh, je ne lui ai pas transmis grand-chose, sans doute. C'est le sang. C'est la race. Oui, parce que tu fais une... Parce que Alban va faire pareil. Tu fais une cuisine. Non, tu crois? Je ne sais pas. Eh bien, toi, à son âge, tu trafiquais en cuisine. Eh bien, oui. C'est vrai. Alors, ne loupe pas Alban, toi. Écoute, il prendra sa décision à mes conseils. Ah, il faudrait peut-être l'aider un peu. Écoute, il a fait ses premiers services cet été. Ah, eh bien, c'est très bien. Papa lui a initié au dressage du gargouillou. Ah bon? Ah bon? Mais c'est bien. Mais il devait être fier, là, Sébastien. Non, mais il est petit encore. Ah bon, Sébastien était bien petit pourtant. Oui, ben fait. Et il venait trafiquer en cuisine. Oui, d'accord, mon père. Je l'ai en photo, là, il avait son tablier. C'est moi qui lui avais fait le tablier, il lui fallait un tablier et une toque. Il lui fallait, alors je lui avais fait. Service, s'il vous plaît. Table 1, 280. Le 17. Oui. Attention au bouquet gargouillou. Oui. Les petits marrons, attention de ne pas trop les sécher, Thomas, quand même. Oui.
Allô? Oui? Oh ben écoute, comme je te disais, il n'y a pas de révolution non plus, donc c'est toujours dans la continuité. Nos clients habitués, nos clients locaux ben, me connaissent quand même depuis un certain temps, donc ce n'est pas non plus un grand étonnement. Si on accompagne régulièrement nos clients en cuisine, je les rencontre, j'en rencontre pas mal en cuisine, donc voilà. Et puis bon, ça fait 15 ans qu'on est là avec Véro quand même, c'est pas tout neuf. C'est pas tout neuf, le temps passe vite. Voilà. À voir. Il y a un petit peu de travail à faire encore. Faut... Voilà.
On va les laisser faire les... Derrière, qu'est-ce qu'on a à faire, Nil, là-bas? Les capucines. Tout va bien. Il faudrait faire quelques haricots verts parce qu'on n'a pas ramené grand-chose. D'accord. T'as fait que ça ce matin au marché? J'ai fait que ça, mais disons. J'ai fait ce que je n'aimais pas faire. Parce que pour compter des barquettes, mettez-moi 3 barquettes de pourpillés, mettez-moi 6. Ça, c'est facile. T'as, t'as rempli 2 cajous ce matin au marché, sur une table complète. En même temps, ça serait un peu normal que ce soit les fils qui fait un peu plus. Hein. Non, mais voilà, ça veut dire qu'il vient faire le beau au marché. Quoi. Ah, c'est un qui a fait le beau ce matin, c'est pas moi, non? C'est pas mal au plus. Mère Tansia, on va mettre les carottes aujourd'hui. Ah, il faut faire des feuilles de bourrache aussi pour le poivron. Là. Ouais. Des fleurs? Des feuilles. Des feuilles, on en met un peu avec la vinaigrette. Elles ne sont pas trop raides? Mastiquées. Mais non, j'ai essayé hier soir. Mais prenez la bourrache blanche là-bas, pas la bleue là. Hein. Faut le laisser pousser les pauvres. Feuilles de betterave et cresson de terre, hein, s'il vous plaît. Oui. Mais la betterave, c'est les feuilles, c'est bas-là. Hein. Oui, c'est ça. Tu peux la purée de pois chiches, Nil ? Purée de pois chiches. Je l'aurais mis un peu plus bas, là-bas, c'est bas. Attends, on va essayer déjà, là. Prenons qu'on a le citron confit, on va avoir du mal. Hein. Non, mais moi... Ouais, mais tu veux mettre le foie gras, là ? Moi, j'aurais fait dans l'autre sens. Ouais, mais je suis pas gaucher, je suis droitier. La partie grosse en là, bas. Ouais. Ah, mais non, mais tu le colles là et puis tu remontes. Tu le mets là. Là. Tu peux bien donner l'assiette. Si, c'est parce que je me plais pas. Touk. C'est pas, c'est pas joli. Je rigole, non? Non, c'est pas joli. Et tu le tires derrière. Voilà, au moins qu'on veuille le faire au droit. C'est pas bon. Moi j'aurais mis ma purée là, comme ça éventuellement. Moi j'aurais collé mon foie gras là. J'aurais mis mon anchois dessus là. Et j'aurais mis la ligne de... D'olive. D'olive là. Et on a le jus de piment aussi. Mais le piment, alors peut-être sur l'arrière, parce que quand ils vont le manger, regarde, ils auront tout qui vont se mêler. C'est comme ça que c'est intéressant, tu vois, comme ça là. Tu comprends? Takashi. Tu vois, c'est bon, moi je l'aurais mis là. Takashi Olivia. Moi je l'aurais mis là. Dessus. Comme ça. Moi j'aurais Takashi, mis... Olivia, ça c'est vous qui dressez, oui. D'accord. Moi j'aurais mis une tâche là, ouais, c'est bon. On verra ce soir, c'est la première. Pas d'inquiétude, bon, pas dans ce sens-là, mais de l'inquiétude que le challenge, comme dit J, que le challenge est lourd à porter. Si, si, bon, moi ça m'angoisse en permanence, de toute façon. Hein. Ben, c'est nos enfants. Hein. C'est pas évident. Bon, ce qu'on a obtenu, nous on est monté d'en bas, comme disait Michel tout à l'heure, on a gravi les échelons tout doucement. Et c'est plus facile de monter que de rester. Hein. Moi je les plains plutôt. Parce que c'est là. C'est là-haut, et il faut y tenir. Hein. Il n'est pas la retraite. Moi, je ne l'ai vu que sur le papier. Je ne l'ai pas vu autrement encore. Non. Ça viendra, dit-il. Là, il y a 2 ans, on a dit on n'ira pas le soir. L'an dernier, on n'ira pas le soir. Ah, cette année, on n'y va pas le soir. Attends, il y a 2 ans, je ne loupais pas un service.
Oui ou non? Non? Oui, oui, c'est bon. Vrai. Cette année, je n'en fais pas un. Et non? À part que Valentin me le demande. Pour ne pas perdre la main, pour le jour où il n'est pas là. On a fait, il est dans le bureau. Et il n'est pas à la retraite. Oh bon. Non mais attends, il y a des projets comme Soulage et les Capucins, tout ça, bon, il faut bien... Oui, mais ça c'est très bien. Oui, mais il faut bien que je le conduise de là où il y a la synergie. D'accord. À côté du fond, il faut le conduire, les projets. Voilà. Jusqu'à l'année dernière, ils étaient là-haut, tu vois. Mais... Elle bascule. On connaît la force et l'expression de Michel, mais je crois que aussi Sébastien a une véritable expression, une véritable sensibilité qui est différente, mais on est toujours chez les bras. Donc, Et moi, c'est vrai que Sébastien, je l'ai un peu vu, on l'a un peu vu grandir. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, à la fois très discret, mais quand on l'observe, il tient sa place, ce gars. Et moi, j'ai aucune inquiétude pour eux. Non, c'est formidable. C'est presque une suite rêvée, quoi. Enfin. C'est pas gagné pour Sébastien, mais bon, en même temps, la patience. Non, c'est pas gagné. C'est le temps, la patience, l'intelligence. C'est pas le même schéma. Hein. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quand vraiment t'es au pied du mur, que t'es face à tes responsabilités, que tu as la trouille. Et que tu dois investir et faire et développer ton entreprise avec tes tripes, au nom de... que réellement tu t'épanouis. Oui, et que là, ta cuisine elle s'épanouit comme ça, comme une fleur, si tu veux. Et c'est ce jour-là que ça, Sébastien sera vraiment Sébastien. En fait, je pense que Sébastien va se révéler quand Michel s'absentera. Nous arrivons de ventre à l'oubli des fruits des bateaux. Il venait du bout du monde, attendant avec lui des idées vagabondes, on refait du silbe. Et le tabac va parler des plus inconnus, d'éternels étimes, on en est presque nus. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aime des barbouilles et ce gris environ des bords. Thank you.
Tiens, voilà le soleil qui arrive. Il y a quelques années, je suis parti à Kyoto avec des amis cuisiniers et on a visité tous les restaurants un petit peu traditionnels de Kyoto où les entreprises familiales se transmettent de génération en génération, beaucoup plus que chez nous. Et donc, je ne sais pas si c'est typique au milieu de la restauration ou pas, mais je sais que les quelques jeunes que j'ai rencontrés qui reprenaient les entreprises familiales, et ça c'est assez générique apparemment dans ce milieu-là, le point d'honneur aux enfants qui reprennent une entreprise familiale, c'est reproduire ce qui a été fait pendant des années. Donc si tu veux, ça dépend de quel point de vue on le voit. Genre, on serait au Japon, on se dirait « Ah non, je ne bouge rien, on continue comme c'est fait depuis 100 ou 150 ans et on ne touche rien du tout. » Mais voilà. Pourquoi j'ai pas envie de tout casser pour tout reconstruire. Pour Johan, ça va être encore pire. Les cours de cuisine, c'est à quelle heure, là 3 heures Non. À quelle heure c'est les cours de cuisine? 4 heures, non? La préparation en rouge qui est le noyau coulant. Aujourd'hui, le noyau qu'on va faire est un biscuit au potimarron. Et donc là, comme vous avez pu les déguster pour la plupart, quand on coupe le biscuit. Et ici, on a l'intérieur qui coule. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci. Donc
Alors, je t'ai expliqué un peu ce que je voulais faire par rapport à l'assiette qu'on avait faite à la yole. Ouais. Tu sais, j'avais fait un plat qui se déguste en 4-5 bouchées. Et plus tu avances à la dégustation, plus tu passes sur du doux. Et j'aurais aimé essayer de faire quelque chose d'un peu similaire ici au Japon, avec des produits forcément plus japonais. Ça, c'est un lait de soja qui est un peu gras. À cru, c'est pas du tout pasteurisé ni rien, ça. Non, non, non. Non. Donc ça devrait bien marcher, ça, je pense. Ça, c'était génial, ça. Ça, c'est super, ça. J'espère que ça marchera bien. D'accord. Bon, mais super. OK. OK. Kazou, faut faire ça combien de temps? Jusqu'à que ce soit lisse. Oui. Ça va? Oui. Voilà. Est-ce que c'est de la cuisine française ou de la cuisine japonaise que je fais? Je ne sais pas l'été. Bon, pas bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Je suis content que j'ai réussi à faire du riz soufflé. Du mochi. Mochi, mochi. Bon, on en refait une pour faire goûter au grand chef. T'as pas le droit de dire un mot, hein. Thank you.
Allez, à toi de jouer. Faut que je m'assoie, franchement. Tu l'avais trop dosé, ça, non ? Mais il faut le goûter avec l'ensemble, avec un peu de croûte, avec un peu de tofu. Et le mochi, là, c'est du mochi tout préparé ou tu l'as fait ? Je l'ai fait, dis donc. Tu rigoles ? On t'en a tout. Et il pouvait pas se mouler à la cuillère, celui-là ? Se mouler à la cuillère, non, il est assez cassant, quand même. Ben, il goûte l'ensemble. Et alors, attends, le yuba, là, il est bien foncé. La peau de lait ? Oui. Foncé ? Mais d'habitude, j'ai souvenir du yuba ici qui était tout clair. Ah non, au contraire. Normalement, ils le font frire après. Arrête de regarder, mange. Ça se mange, la cuisine. Oui, mais ça se regarde d'abord, à ce que je sache. Non, ce qui me plaît, c'est que ça a du sens, mais bon, faut le piger, le sens, là. Voilà la tartine que je vais me faire. Mets un peu de poudre de Sancho aussi. Je suis un peu chiant, hein. Je suis pas comme tout le monde. Tu vois. Alors, tu vois. Tu l'as pas mangé comme il faut. C'est comme ça qu'il faut la manger. T'as pas pensé à un mouillement là, y a... non ? Non. Tu vois, tu peux me les feuiller un peu dessus. Le riz soufflé, tu l'as réussi, il est beau, ouais. Le yuba, on le sent pas trop quand même, là. Bah, c'est un goût assez subtil quand même. T'as pas eu l'idée de faire sécher du miso ? Ça se sèche pas, ça ? C'est harmonieux, mais ce qui me manque, c'est un peu le riz, là. Un peu de texture de graines de riz ? Ouais, ou d'assaisonnement, tu vois. Un d'accord. Peu, c'est gourmand, ça, je m'attendais pas à ça. Un peu plus de confiture de lait. J'aime bien le format de la tartine. T'as mis des... C'est celui que je fais aux enfants. Mets un peu de ça là-dessus. Toc. Mais j'en ai déjà dessous, là. Je te dis qu'il faut en mettre. Mais têtu comme une mule. Je suis pas têtu. Si. Mets un peu de miso, là. T'en as pas mis. Attends, mais... Attends, je te fais une bouchée correcte, parce que tu l'as, non, tu l'as pas fait. Non, mais d'habitude, c'est moi qui fais les bouchées. Ah, mais ce qui est étonnant, là, c'est que t'as pas dû le faire esprit, je pense. Bah, ok. C'est que la croûte de riz, là, est moins... moins cassante soufflée. Qu'au début, ouais. Ah ouais. Et donc, c'est beaucoup plus délicat. Non, ça, j'ai pas fait exprès. Ah, tu vois. C'est à retenir, tu vois. Tu me le feras la prochaine fois. Il faut que tu travailles la croûte de riz, moi, je trouve, là. Il y a mené quelque chose de supplémentaire encore ? Parce que là, tu vois, elle était délicate au milieu, mais là, elle croque tellement, et moi, j'ai envie de trouver un nia, quelque chose. Bon, ben, j'ai tout mangé, tout qu'on a fait. Ben oui, tu vois. T'avais pas très faim. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me gêne là, c'est un peu le support, qui est un peu anecdotique. Pour moi, le ruban de peau, il n'humanise pas l'assiette. C'est un peu trop rigide. Là, tu pourrais imaginer que c'est un bout de carton, là, tu vois. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais... Qu'il y a un élément... Parce que là, en fait, c'est... Oui, mais là, si tu veux, la croûte de pain, mais moi, c'est ce que j'ai fait sur ma première assiette, c'était une croûte de pain. Mais là, on est au Japon, et ben, voilà, faire une croûte de riz au lieu de la croûte de pain, ça fait partie des aliments traditionnels japonais. Mais je te l'accorde. Mais si tu sers ça ici, et si tu sers ça à l'aïeul, oui, je pense que tu auras deux démarches différentes. Ouais, ici, ouais. Ils vont l'accepter, à l'aïeul, ils vont pas trop comprendre. Hein. Ouais. Moi, je préfère le matin. Quand les bateaux rentrent, qu'il y a toutes ces... Oh, il est super couché de soleil ici aussi. Sur la mer, là, c'est magnifique.
Sont des mots qui vont très bien ensemble.
Comment décrire ça? Je sens qu'il y a deux fusions entre deux mondes, c'est-à-dire que j'en quitte un univers du travail où j'étais, je partageais beaucoup de choses avec Seba, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas les partager de même, mais on a conduit une grosse tranche de travaux cette année. Il a un bel outil aujourd'hui et je pense que je vais me projeter sur... Non, mais c'est pour ça que cette espèce de... Bon, est-ce que c'est une passation? Je sais pas. Bon, je suis toujours là, mais ce temps que je me donne le matin pour être avec les cuisiniers, pour moi, c'est important. J'ai dit à Seba, le jour où je fais plus ça et où je vais plus au marché, tu me vois plus. Hein. Je suis mort. Quand je vois le soin que je prends à accueillir le matin, quand je vois parfois comment mieux les matraques. Les alouettes se sont couchées là, apparemment. C'est étrange maintenant, là, ce qui tombe, hein, la lumière. Là. C'est les jeunes, ça. Ils sont curieux encore. C'est des bébés. C'est fini. Chaud, tu me fais demain. T'as la main. Alban, tu m'aideras à tailler les légumes. Qu'est-ce que tu as dit? Une cuillère à soupe, là. Une entière? Ouais. Trois cuillères à soupe, hein. Vas-y. On mélange, on prend un récipient. Attends, Alban, doucement. On prend un récipient, on mélange tous les choux-fleurs avec. Mais papa? Avec les asperges. Papa, qu'est-ce que tu fais? On va couper la laine. Ah. Pareil, tu coupes en cube. T'as du chagrin, Flora? Oui, je pleure. À cause de quoi? À cause des oignons. Ah, ça va, je peux faire ça. Alban, ta déesse. Mais je sais pas où elle est. Flo, viens par ici.
Donc là, on est dans la vieille étable de chez mes grands-parents, à la Gardelle. Et c'est vrai que ben, tous les week-ends, toutes les vacances, ben, mes parents étaient très occupés. Donc moi, je venais ici. J'avais, je sais pas, de 7 ans à 15 ans, je passais beaucoup, beaucoup de temps ici. J'ai le souvenir que très régulièrement, le soir, quand mon grand-père revenait de la traite avec son grand seau de lait, je buvais un grand bol de lait tiède, de lait cru, sorti tout juste du puits de la vache et très mousseux. Et j'adorais ça parce qu'il avait un goût ben, forcément très particulier, de lait cru très frais. Et j'adorais ça, tout tiède, tout mousseux. J'avais la moustache jusqu'au nez. En fait, c'est génial, j'adorais ce moment-là. C'est vraiment un moment de réconfort le soir à 6 heures, là, une heure avant de passer à table. Ça se passait ici. Ça se passait ici. Elles sont plus très maintenant, ils font que de la viande. Ils font plus de lait maintenant. Ils font plus de lait. C'est plein de bons souvenirs. Je suis un enfant de la campagne, moi. Je suis un enfant de la campagne, c'est toute ma jeunesse. Donc, faire agriculteur, je crois, n'aurait pas des plus, dans l'absolu. Toute ma jeunesse, ouais. Moitié campagne, moitié cuisine, ma jeunesse. C'était ça. Voilà, regarde comme elle est épaisse. Très bien, super. Regarde. On n'est pas tard. Tu vois, ma maman se servir d'un économe. Ah, je ne sais pas, ta maman, je ne l'ai pas connue. Moi. C'est dommage. Elle était sympa, ma maman. C'est toujours aussi bon. T'as un dessert, ça, ou pas? Ah, ça, c'est la question. Apparemment, c'est un dessert mûr. Je comprends pas. Non, on va t'expliquer. Attends, je repars de ça. Cette assiette, c'était l'histoire de... C'était mon histoire à moi, l'histoire de... C'était un passage du salé au plus sucré. Et là, c'est vrai que quand on regarde l'assiette et après réflexion, après la démarche qu'on a eue au Japon, on était un petit peu plus épuré sur le travail qu'on avait fait autour du tofu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et ça serait bien de, voilà, de supprimer un petit peu le superflu. J'ai voulu tout mettre là. Mais à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Dans cette assiette, rien que dans cette assiette, tu pourras en faire 3 à partir de celle-là. Non ? Je sais pas, je suis en train de vue. Moi, j'aime bien ça, là. Pourquoi tu mettes ça, là ? Henri ? Oui ? On en refait une, là ? Tu me refais chauffer du lait ? J'ai de la peau de... La peau de lait, je vais être juste. Pardon ? Tu me refais chauffer un peu de lait ? Oui. Si, pour de lait, je vais en avoir assez. Ah, mais non, ouais, si. Fais-moi chauffer un peu de lait. Pareil, même quantité. Ça caille vite, ouais, c'est caillé déjà celui-là, tu vois. Putain, là, ça va être compliqué de faire les coupes sans moi. Ouais.
Moi, il y a deux choses que je voudrais garder quand même, parce que bah, c'est ouais, pot de lait chocolat. Mûre jeune laïol, parce que ça, pareil. Ouais, non, mûre jeune laïol, ça, c'est. Bah, ouais, c'est tout moi, c'est parti de. Ouais, peut-être recentrer. Pot de lait, jeune laïol, mûre, chocolat. Il nous manque du salé un peu quand même. Gardez le pain peut-être. Gardez le pain. Alors, est-ce que c'est sous la forme croûte? Est-ce que c'est sous la forme miette avec le poivre et le jambon? Est-ce que c'est soit l'un soit l'autre? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas. Peut-être, voilà, on partirait pain, jeune laïeur le mûr et pot de lait chocolat. Ça serait peut-être les trois. C'est un peu la démarche, on garde les trois éléments. Trois personnes. Donc les trois personnes, le pain, voilà, c'est peut-être le père, hein, Michel, et ma mère. Hein, la mûre jeune laïole, c'est peut-être ça. Voilà. Et chocolat pot de lait, voilà, c'est plus mémé Brasse. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire partager aujourd'hui. Donc voilà cette composition qui au départ devait être une seule assiette que j'ai séparée en trois volontairement. J'ai voulu l'appeler cheminement. Donc au départ, quand j'ai réfléchi à cette assiette, je voulais essayer d'imaginer un plat qui soit un passage entre le salé et le sucré. Ensuite, pour la deuxième assiette, pareil, quelques clins d'œil à mon enfance, à savoir l'association gelée, confiture de mûre et fromage de laïeul. Voilà pour la deuxième assiette.
je vous remercie de votre attention. Je vous invite à venir voir ici si vous voulez. Où est-ce qu'elles sont les deux autres assiettes? Vous l'avez découverte quand, cette taille des ours? Il y a combien d'années? L'aille des ours, on l'a... Un petit peu de fromage. Et voilà.